petit conseil. J'espère que vous allez bien. Donc, on va prendre l'ordre du jour ce soir du caucus. Donc, on ouvre le caucus officiellement à 13h45. Donc, au point 2, étude des dossiers à l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir. Donc, on a 4 propositions. 2 propositions provenant de l'administration. On parle d'autorisation de déclarer un congé scolaire pour la Journée internationale des familles. Ensuite, engagement du conseil municipal à rencontrer toutes les classes de 5e et 6e année de la chute afin de recueillir leurs idées pour le budget participatif 2025. Et j'ai 2 propositions provenant des élus. Soit que la ville de la chute procède à l'aménagement d'un terrain de volleyball de plage au parc Ayres et finalement que la ville de la chute procède à l'aménagement de cabanes dans les arbres dans le boisé situé en face du parc Ayres. Quelle émotion avez-vous eue quand vous avez été élu? J'étais très fier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on se présente à la mairie, c'est un long, long travail. On le fait pas du jour au lendemain, donc j'ai travaillé plusieurs mois, en fait presque un an avant l'élection municipale de 2021. J'ai formé mon parti politique, j'ai recruté des candidats, on a eu une sélection, on travaille très fort. On a fait du porte-à-porte pendant 30 jours, on a presque fait toutes les portes à la chute avec l'équipe. Donc, pas individuellement avec l'équipe. Donc, lorsqu'on a eu la victoire, puis on a eu 7 sur 7, puis j'ai 62 % d'appui, je crois, j'étais très fier, mais en même temps, c'est drôle parce que lorsque vous regardez la première entrevue que j'ai faite, j'avais plus rien à dire. Donc, ça faisait 30 jours que je justifiais pourquoi je voulais être maire. Et la première entrevue que j'ai eue avec la TVC, j'étais tellement fier, mais émotif, que tout ce que j'ai fait, c'est. C'est tout. Donc, ça a été une entrevue assez ordinaire, mais honnêtement, très, très content d'avoir gagné cette élection-là, puis très content de pouvoir servir pour la population présentement. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Mes parents diraient tannant, mais moi, je pense que j'étais tranquille, honnêtement. Donc, j'étais pas un garçon très studieux, école primaire, beaucoup plus secondaire et beaucoup à l'université, mais j'étais pas un sportif non plus. Donc, moi, je m'intéressais à l'aviation depuis très, très, très longtemps. Donc, je regardais souvent dans le ciel, je regardais les avions voler, puis je rêvais d'être un pilote. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait mon brevet, puis je suis pilote d'avion privé aujourd'hui. Donc, très, très content de ça. Mais très tranquille comme petit garçon, mais je jouais beaucoup dans la nature. J'aimais ça jouer dans l'eau, les rivières, les lacs et tout. Puis je me trouvais toujours des petits intérêts ici et là. Mais le sport, pour moi, c'était pas nécessairement moi, malgré le fait que mes parents diraient que j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. Quel est votre parcours d'études pour devenir maire? Il n'y a pas de parcours pour devenir élu. En fait, il n'y a pas de formation spécifique qui est requise pour ça. Tout le monde peut se présenter conseiller municipal ou même maire, député aussi. Moi, mon parcours professionnel, dans le fond, m'a amené à travailler dans une usine chez Christini. J'ai commencé à couper le gazon à 16 ans et j'ai continué en production. Mon parcours d'études a commencé universitaire à 24 ans, beaucoup plus tard, parce que je me suis dit que si je voulais tomber ou avoir un poste de direction, bien, j'avais besoin d'un baccalauréat. Donc, je suis allé à HEC Montréal étudier en finance d'entreprise, gestion financière d'entreprise, analyse des processus organisationnels. Et par la suite, je suis allé chercher mon Black Belt, là, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est tout ce qui est des statistiques pour réduire la variabilité sur une ligne de production. Mais c'est qu'il n'y a aucun rapport avec la municipalité. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir une expertise particulière. Par la suite, en poste, on peut aller chercher des cours de perfectionnement. Donc, il y a vraiment INAP qui donne la formation UMQ, FQM, qui a des formations spécifiques pour aider les élus à apprendre leur rôle, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut bâtir de l'expérience sans se faire élire auparavant. Au point 3, étude de différents sujets susceptibles d'être inscrits à l'ordre du jour de la séance, incluant les variables. On va faire un tour de table. Est-ce que vous avez un point à ajouter? Au point 8, sécurité publique et incendie, nous avons eu 30 interventions ce mois-ci. Au point 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur des services de la sécurité incendie pour le mois d'octobre 2023. Donc, avec l'hiver, bien, vient les cheminées. Et donc, on vous rappelle qu'il est important de bien faire ramoner ou ramoner vos propres cheminées annuellement pour éviter des risques d'incendie. Encore pour le mois d'octobre, nous avons eu une intervention au niveau d'un feu de cheminée. Le point 11, c'est le directeur général. Le point 12, c'est le directeur général adjoint. Ils sont mandatés pour avoir des dossiers spécifiques. Pourquoi ça sert, un directeur général? Le directeur général, c'est le patron de l'administration. Donc, nous, les élus, on n'est pas les patrons de l'administration. Moi, je suis patron du directeur général. Et par la suite, c'est lui qui doit s'assurer que tout fonctionne bien dans la municipalité.
J'ai un droit de regard et un droit de contrôle sur la fonction municipale. Donc, je peux aller par département avec le directeur général pour m'assurer que tout fonctionne bien. Mais ultimement, je ne peux pas donner d'ordre et les élus ne peuvent pas donner d'ordre directement aux employés ou aux directeurs. À la municipalité, on est 150. Ça peut monter près de 200 l'été avec les étudiants. On embauche une cinquantaine d'étudiants. Donc, c'est quand même une grande municipalité au niveau des, de la masse, pas juste la masse salariale, mais au niveau des ressources humaines. Quelles sont les difficultés d'être maire? Il y en a beaucoup. Honnêtement, c'est on peut pas plaire à tout le monde. La première chose qu'on apprend en commençant notre rôle, c'est qu'on a une responsabilité de devoir gérer pour l'ensemble de la population. Et du cas par cas, ça devient très difficile parce que tout le monde veut approcher ses élus pour demander un dossier spécifique, qu'on règle des problèmes. Mais malheureusement, on peut pas le faire pour tout le monde. Donc, dire non, c'est très difficile pour les élus. C'est un apprentissage qu'on doit faire en partant. Il y a aussi la grande quantité d'informations qu'on doit maîtriser rapidement. T'sais, on parlait tantôt qu'il n'y avait pas de formation spécifique, mais moi, gérer des cours d'eau, des milieux humides, changement climatique, l'urbanisme, l'économie un peu plus, j'étais plus à l'aise avec ça. Mais ce n'est pas des choses qu'on connaissait avant. Donc, on doit maîtriser un paquet de dossiers rapidement pour être au courant de tout ce qui se produit dans la journée. Parce que vous allez voir, on va parler de mon horaire tantôt, mais c'est plusieurs rencontres à tous les jours, à toutes les semaines, que ce soit ici, à la MRC, dans des communautés, les organismes communautaires et tout. Et tout le monde s'attend à ce que le maire soit au courant des dossiers, mais qu'il maîtrise aussi pour prendre les meilleures décisions. Et ça, je vous dirais, là, c'est une grande difficulté de toujours rester à l'affût de tous les dossiers, mais aussi de ce qui se passe dans le monde municipal, je pourrais vous dire. Que préférez-vous de votre métier? Ça bouge vite, on s'ennuie pas. C'est différent à tous les jours, mais moi, ce que j'aime réellement, c'est de prendre des décisions puis voir qu'il y a un impact à la population. Lorsqu'on est capable de prendre une décision, je vous donne un exemple, la chute en fête. On a créé la chute en fête. Première fois que la ville de la chute décide de gérer son propre festival, et ça, c'est une promesse que nous, on a fait. Quand j'ai vu le sourire sur le visage des gens, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Lorsqu'on peut aider des gens avec des problématiques, puis on le voit que ça améliore leur qualité de vie, ça, moi, ça me plaît vraiment beaucoup, et c'est pour ça que je suis là. Donc, c'est ce qui me plaît. Donc, c'est sûr qu'on s'ennuie pas, mais pouvoir travailler pour la population, là, ça vaut de l'or. Quel sacrifice cela demande-t-il à sa famille d'être mère? C'est beaucoup. Parce que dans le fond, on a souvent des comités de soir, on a des comités de fin de semaine. Les organismes communautaires souvent veulent nous rencontrer le soir. On travaille lorsque les citoyens sont disponibles aussi. Donc, si le citoyen est au travail, bien, il n'y a pas le temps de nous rencontrer le jour. On le rencontre le soir. Moi, j'ai deux petites filles, 6 et 9 ans. Et je les vois pas nécessairement souvent. Donc, c'est un sacrifice énorme, pas pour moi. Il n'y a personne qui m'a tordu le bras pour me lancer en politique. C'est un sacrifice pour ma famille. Donc, c'est quelque chose qu'on impose à notre famille. C'est sûr qu'on a la conversation avec la famille avant de commencer, là. Mais c'est quelque chose qu'on impose à notre famille lorsqu'on décide de se présenter élu. Puis ça, il faut être conscient de ça. Parce que l'autre sacrifice, puis je tiens à le mentionner, c'est aussi lorsque vous êtes méchant envers des élus, puis c'est correct de ne pas être d'accord, mais les enfants l'entendent à l'école. Puis c'est difficile pour les familles. Donc, surtout lorsqu'ils apprennent à lire sur les réseaux sociaux et tout, je vous dirais que le sacrifice, c'est pas nécessairement moi qui l'a, c'est ma famille. Et par la suite, on fait une dernière tournée des membres des élus, vous voyez ici au point 14, pour les dossiers spécifiques à votre district. Donc, c'est là qu'on entend souvent parler de « j'ai un enjeu de vitesse, j'ai un enjeu de circulation, j'ai un enjeu de plainte de voisins, j'ai aussi un enjeu de salubrité ou des choses comme ça. T'sais, les routes sont mal déneigées ou ça. C'est ici qu'on fait le tour. Autorisation de l'aménagement de terrain de volleyball, plage au parc Ayres. Et par la suite, je te donne droit de parole. Considérant que la ville de la Chute encourage l'activité physique chez les jeunes, considérant que le volleyball de plage est un sport de plus en plus populaire chez les jeunes, considérant qu'il n'existe actuellement qu'un seul terrain de volleyball de plage et qu'il n'est pas toujours accessible, considérant que le parc Ayers est déjà le lieu de rassemblement de plusieurs jeunes, en conséquence, il est proposé par Bernadette Boulet, appuyé par un seul paquet de gauche. Et résolu que le conseil municipal procède à l'aménagement d'un terrain de volleyball de plage au parc de Bourse. Bonjour, chers membres! Autorisation de déclarer un congé scolaire pour la Journée internationale des familles, M. Presseau. Considérant que la ville de La Chute travaille avec dévouement pour le bien-être des familles, considérant que la Journée internationale des familles a lieu le 15 mai de chaque année, considérant que cette journée vise à démontrer toute l'importance que la communauté internationale porte à la famille, à sa situation à travers le monde, de permettre de se penser
sur les divers problèmes qui affectent les familles au niveau social, économique, ainsi que les moyens pour améliorer leurs conditions et favoriser leur épanouissement. Est-ce que quelqu'un aimerait appuyer cette résolution? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. C'est adopté. Considérant que la ville de La Chute encourage fortement la lecture chez les jeunes, considérant que les jeunes cherchent des lieux inspirants pour lire, considérant que le boisé situé près du parc Ayers est peu exploité présentement, considérant que le parc Ayers est déjà un lieu de rassemblement de plusieurs jeunes, j'appuie. Donc ça ici, par la suite, l'urbaniste doit se concentrer pour savoir si ça se fait des cabanes dans les arbres. Quel projet avez-vous fait pour les jeunes lachutois jusqu'ici? Bien, plusieurs choses que j'avais dit lors de ma première entrevue avec vous. Avez-vous des projets pour les jeunes de La Chute? Oui, on a beaucoup de projets en avant. C'est vraiment au cœur de mes priorités. Dans le fond, on a la participation. Moi, ce que je veux créer, c'est une assemblée jeunesse. Vous vous présentez à votre élection, mais moi, je veux créer une assemblée jeunesse au conseil de ville qui va être chapeautée par nous, les élus, pour pouvoir vous permettre de participer au processus, pas juste électoral, mais vraiment au processus d'une séance publique. Je veux créer La Chute en fête, mais aussi des fêtes de quartier pour vous permettre d'avoir des activités dans vos quartiers, le réseautage, vraiment un aspect communautaire que je veux ramener. On voit beaucoup ça dans d'autres villes aux États-Unis. Moi, je voulais ramener ici à La Chute parce que c'était très fort avant. On a aussi l'escouade verte que je veux créer pour permettre aux jeunes de nous aider à nettoyer la ville. Je veux aussi améliorer au niveau des sentiers. On a une piste cyclable ici, mais moi, je ne les trouve pas nécessairement sécuritaires. Je veux également créer, dans le fond, aussi un projet sportif. Donc, vous faire découvrir les sentiers qu'on vient de discuter, mais aussi les parcs. Ça serait le fun d'avoir des activités spécifiques par parc, par fin de semaine, ou faire le tour de la ville et découvrir tout ce qui est offert à la ville. Bien, on a réalisé 90% de ça, puis même aujourd'hui, l'Assemblée jeunesse était dans la plateforme électorale. Donc, La Chute en fête, on a ramené les festivals, on a ramené les loisirs également. On a travaillé sur les pistes cyclables, je sais qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire à ce niveau-là. Budget participatif pour les jeunes avec un volet jeunesse, donc 12 à 17 ans. On se met en partenariat aussi avec des organismes pour améliorer les infrastructures sportives. Bien, c'est quoi? Il va y avoir des pump track, skate park, puis on va venir refaire le parc Ayers également pour permettre aux jeunes d'avoir des activités. On investit aussi massivement au niveau de tous les appuis au niveau des organismes pour les jeunes qui ont besoin d'aide à ce niveau-là, parce que c'est important de le dire. Il n'y a pas juste les loisirs, il y a aussi le besoin que les gens ont dans les communautés. Donc, on continue. On n'a pas nécessairement terminé, ça fait juste 2 ans, mais on s'attend à livrer beaucoup plus de choses pour les jeunes d'ici. Au point 8, nous avons la résolution engagement du conseil municipal à rencontrer toutes les classes de 5e-6e année de La Chute afin de recueillir leurs idées pour le budget participatif 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette résolution? Je propose. Considérant que la ville de La Chute a implanté un budget participatif en 2023, considérant que le budget participatif 2024 possède un volet jeunesse qui sera reconduit en 2025, considérant que la ville de La Chute souhaite impliquer davantage les jeunes dans les décisions municipales, considérant que le thème du budget participatif 2025 sera en lien avec les enjeux jeunesse, considérant que la période de dépôt des projets se situera entre le 1er décembre et le 15 octobre 2024, considérant les discussions tenues à ce sujet entre la ville de La Chute et le Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. C'est adopté. Au point 9, on a une période de questions. Donc ce soir, nous avons une citoyenne qui veut venir poser des questions. Bonjour, mon nom est Madame Casse-Noisette. Donc, je m'adresse à M. le maire et aux élus. Concernant l'aménagement du terrain de volleyball de plage, combien ça coûte cet aménagement alors que d'autres installations sportives auraient besoin de rénovation comme la piscine intérieure et les terrains de basketball? Bien, on est conscient qu'il y a plusieurs investissements qui sont nécessaires au niveau des infrastructures sportives, puis chaque investissement est important en soi. Malgré le fait qu'on investisse seulement 55 000 ici, sachez qu'on a intérêt d'investir davantage dans les infrastructures sportives de la municipalité. Bonjour, Monsieur le maire.
au sujet des cabanes dans les arbres, de quelle manière la ville va s'assurer de la sécurité des installations? Puis est-ce qu'il y a d'autres cabanes comme ça qui pourraient être installées dans d'autres parcs de la ville et pas juste le parc Ayers? Ouais. Oui, parce que comme ça, il y aura les personnes qui habitent plus loin du parc Ayers, ben ils pourront aller dans les autres parcs pour aller dans les cabanes dans l'arbre que juste aller au parc Ayers. De quel projet êtes-vous le plus fier jusqu'à présent en tant que maire? Ah, c'est bon comme question. Là, je suis en fait très fier de pouvoir, d'avoir été capable de livrer un festival géré par la municipalité pour pas très cher. On a mis beaucoup de partenariats ensemble qui nous a permis de livrer ce beau festival-là parce qu'on sait que c'est pas nécessairement tout le monde qui a la capacité d'aller à l'extérieur pour voir des spectacles. Mais nos plus grands projets, ben ils vont être livrés en année 3. Donc, je vais pouvoir vous parler plus tard de ce qu'on va être très fiers. Mais on va livrer de grands projets d'infrastructure qui va avoir, ça va être un leg, honnêtement, qui va avoir une suite, puis que tout le monde va pouvoir profiter dans les 10-15 prochaines années. Quels sont vos futurs projets pour les jeunes? Bien, on travaille actuellement en partenariat avec le Club Richelieu pour installer un pump track ici à la municipalité. Donc ça va être intéressant. On travaille aussi pour un autre skatepark, mais pas les skateparks que vous voyez avec les modules sur le sol. C'est vraiment les skateparks en béton que vous voyez que ça... Oui, exactement. Ensuite, on va réinvestir aussi ces 500 000 $ qu'on vient d'adopter donc pour les bandes à l'aréna. Donc, on va refaire ça. On sait que les jeunes apprécient beaucoup. Puis, on va aussi travailler davantage sur toutes les activités qu'on va mettre dans les parcs. Donc, une chose que nous, on rêvait de faire au conseil municipal, c'est d'avoir des activités différentes aux 2 ou 3 semaines dans les parcs municipaux. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pas seulement le parc Ayers, puis le parc Baron et le parc Richelieu. On a beaucoup de petits parcs dans la municipalité qui sont sous-utilisés. Mais moi, j'aimerais voir les jeunes. Puis quand on parle de jeunes, c'est vous, mais jusqu'à 18 ans. J'aimerais voir les jeunes l'utiliser davantage ou les utiliser davantage avec des activités qui seraient organisées par la municipalité. Bonjour, je suis le maire, je m'appelle Chaton Chevray. Ma question, c'était pour les. Considérant que les cabanes du parc aussi sont construites, comment allez-vous faire pour les garder propres et en donner les entreprises? On va essayer d'engager quelqu'un pour pouvoir à chaque week-end pour qu'il puisse prendre l'aspirateur, genre comme une magnétiste là, que tu apportes à la main pour qu'il puisse tout nettoyer les feuilles qui tombent dans la cabane. Qu'est-ce que c'est un budget participatif? D'abord, un budget participatif, c'est qu'on donne un contrôle à la population de décider ce qu'on fait qu'une part du budget municipal. Donc ici à la chute, on l'associe à 0,1% de notre budget global. On fait 32 millions en revenus. Le budget participatif est à 32 000. La façon que ça fonctionne, c'est simple. C'est le citoyen qui décide des propositions, qui soumet ses propositions. Et par la suite, il y a un comité qui est fait hors élu. Les élus ne sont pas impliqués. Pour pouvoir s'assurer que les propositions respectent la réglementation, sont viables, respectent le budget. Et par la suite, le projet qui est monté avec le comité est proposé à l'ensemble de la population une deuxième fois pour un vote. Et le projet le plus populaire par vote gagne et est soumis au conseil municipal pour adoption. Donc on adopte une résolution par la suite pour s'assurer que le projet va de l'avant. Est-ce que vous pourriez nous dire quel projet participatif avait été accepté l'année dernière? Oui, l'année dernière, on a eu les arbres fruitiers à côté de l'école L'Oasis. Super projet, c'était mon projet préféré. Puis ça m'a tout pris pour ne pas me positionner parce qu'on ne veut pas influencer le vote. Donc on a planté des arbres fruitiers à côté de l'école L'Oasis, à côté du parc Ayers. Il y a aussi le sentier des aînés à côté de la maison Médaillon d'or, pardon. Donc c'est un petit sentier qu'on vient aménager pour que les aînés et la population puissent venir se recueillir. Et cette année, encore une fois, la nouveauté, bien, c'est là on a un volet jeunesse cette année. Donc, les 12 à 17 ans peuvent soumettre des projets pour eux. Donc, c'est des projets vraiment jeunesse. Donc, des projets qui seraient importants pour nos adolescents et adolescentes. Est-ce que c'est déclaré où le terrain de volleyball va être dans le parc Ayers? Parce qu'il est quand même grand, là. Ça, c'est une excellente question. En passant, c'est souvent ce type de questions qu'on a. Je sais pas. On pourrait aller regarder... Moi et mes 6 conseillers, on pourrait aller regarder tous les terrains où est-ce qu'on pourrait. Puis on va mesurer le périmètre du terrain. On va voir lequel est le plus grand pour pouvoir installer le terrain de volleyball. Considérant qu'on voulait avoir. Si on peut avoir des cabanes dans les arbres,
pour les lecteurs. Puis qu'on essaie de garder des arbres dans ben, un certain nombre d'arbres dans les parcs. Combien de cabanes on pourra avoir? En laissant des arbres de ne pas avoir de cabanes? Écoute, ça dépend. On pourrait voir, combien de personnes seraient intéressées. On pourrait mettre un certain poids pour plusieurs personnes qui puissent aller dans la cabane en même temps pour pas mettre sur toutes les arbres pour être plus écologique. Et puis je voulais me demander pour le projet des cabanes en arbre, comment qu'on va faire pour monter? On va utiliser des marches ou des escaliers? Ben, on va utiliser un échelle et il y aura des personnes qui pourront monter sur des branches et commencer à mettre la plateforme pour pouvoir après juste mettre l'échelle et juste monter sur la plateforme et commencer à faire ça. Oui, vous pouvez vous asseoir. Donc ça ici, c'est le bureau du maire. Donc, vous voyez une petite salle de conférence pour les rencontres à l'interne. Je rencontre pas nécessairement les citoyens ici, parce que c'est pas assez grand pour tout le monde. On les rencontre dans la salle de conférence à côté. Mais vous voyez, c'est aménagé pour travailler. Donc, je passe toutes mes journées et des soirées ici même au bureau. Moi, j'ai une question qui n'a pas vraiment rapport avec les choses. Donc, moi, je voulais juste savoir pourquoi c'est cette fleur-là sur le drapeau. Je donne la parole à M. Livrois de Nuit. La feuille que vous voyez ici, c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc, on retrouve le L de la chute. On a la chute d'eau également. On a également, je crois que c'est la représentation, Pascal, je pense que tu as impliqué les deux mains ensemble. Je laisserai les communications pour terminer. En fait, monsieur le maire était super bien parti. Je vois qu'il a étudié son image de maire. Donc, ici, on voit ces deux morceaux-là. Ça représente les mains qui sont la communauté. Et on a la feuille qui est le symbole principal qui représente la nature qui nous entoure. Donc, tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui représentent en image la ville de la chute. Donc, c'est quoi ta résolution pour 2024? Ma résolution, c'est de terminer mon programme, finir mon bac en enseignement pour pouvoir officiellement vous enseigner à temps plein. Fait que c'est ma résolution cette année. Ben, moi, j'aimerais ça, ben, faire un géant Venom, genre, en grandeur vraie vie. Ben, Venom, c'est comme un symbiote, c'est comme un alien, c'est comme un liquide qui s'attire aux personnes. Puis ça fait comme une créature noire avec les yeux blancs. Avec une géante langue, puis la bave, puis des grosses dents. Mon défi, moi, c'est m'améliorer au hockey. J'aimerais m'améliorer au hockey. J'aimerais m'améliorer en dessin. Avec des amis, on a essayé de démarrer une entreprise et j'aimerais ça que ça se réalise. C'est une entreprise de quoi? Gardiennage d'animaux. Allô, Myriam, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de rester plus organisée? Non. Maintenant, est-ce que tu as un projet pour 2024? C'est le même que l'année passée, puis aussi j'espère d'être moins tout le temps fâchée. Eh bien, moi, en 2024, j'aimerais regagner le tournoi des tables. Pour 2024, je veux battre Azam au tournoi des tables et réussir mes services au volley-ball. Parce que je me suis fait opérer à les pieds, parce que je marchais sur la pointe des pieds et j'aimerais bien recourir. Genre, je sais plus comment courir, dans le fond. Moi, c'est mon plus grand fan, parce que ça fait 2 ans que je suis coincée sur un pôle. De faire plus de compétitions de cheval. En 2024, j'aimerais ça gagner la compétition de danse. En 2024, j'aimerais avoir dans cette orange au karaté. M'améliorer pour à commencer à ranger ma chambre. Ben, que je sois un meilleur au soccer. La même chose qu'étant. J'aimerais gagner un trophée, je sais pas, pendant le tournoi. J'aimerais ça prendre plus de marches, aller dans la forêt, aller plus dehors, prendre l'air. Ça serait ma résolution 2024. J'aurais envie qu'il y ait un peu plus d'écriture. Moi, j'aimerais que je finisse ma liste
ma liste pour faire un bricolage pour donner un cadeau à mon frère. Être dans à ton baseball.